j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo bonus où je vais jouer à ce jeu, à Assassin's Creed Origins. Alors, je crois pas en avoir déjà parlé sur la chaîne, ou peut-être une fois brièvement, les jeux Assassin's Creed sont vraiment mes jeux préférés de tous les temps. Depuis que j'ai joué au premier Assassin's Creed, je devais avoir quoi, 13-14 ans, et bien depuis je suis totalement fan de ces jeux, ce sont vraiment mes préférés. J'ai joué à tous les jeux sauf un, celui qui se déroulait en Chine. Sinon j'ai joué à tous les jeux. Le dernier en date c'était le Assassin's Creed Syndicate avec Jacob et Evie Fry, les jumeaux que l'on retrouvait en plein cœur de Londres. C'était vraiment un jeu que j'avais beaucoup aimé, ce n'est pas mon préféré mais je l'avais vraiment trouvé très bien. Et donc là je vais jouer à ce jeu où on va retrouver Bayek, un assassin en Égypte. Et j'ai trop hâte de voir les graphismes, même si j'ai vu un petit peu la... la bande-annonce, mais voilà, j'ai vraiment trop hâte. Mais avant de vous montrer mes premiers pas dans ce jeu, je vais vous envoyer tout de suite maintenant la petite séquence unboxing, puisque en fait j'ai précommandé le coffret collector God's Edition pour avoir une figurine, quelques goodies et également le jeu. Donc j'ai déballé ça en vidéo. Sur ce, je vous envoie les images. Voici l'édition que j'ai prise, donc Assassin's Creed Origins God's Edition, donc c'est l'édition des dieux. Il me semble qu'il existe trois éditions différentes, il me semble, je mettrai toutes les infos de toute façon en barre d'informations. Pour ma part, je l'ai précommandée chez Micromania et elle était disponible donc le 27 octobre, jour de la sortie du jeu, mais comme je l'avais précommandée à Tours et comme je n'habite pas à Tours, eh bien j'ai pu la voir qu'aujourd'hui, donc... mercredi 1er novembre, et je trouve cette édition vraiment très belle déjà en termes d'extérieur. Donc c'est celle pour Xbox One puisque je joue sur Xbox One, donc elle se présente comme ceci, et donc derrière vous avez ce qu'il y a à l'intérieur. De toute façon je vais tout vous montrer. Donc sur ce, j'enlève la surcouverture, tout est noir et doré avec vraiment un thème en Égypte, hein, puisque ce jeu se passe en Égypte. J'aime vraiment beaucoup et c'est clair que je vais la garder comme les autres éditions. Je vais la garder. Donc, voyons voir. Donc nous avons la figurine que je vais déballer. Et au niveau de la boîte, vous avez plein de hiéroglyphes sur les côtés. Et aussi sur le derrière. Donc comme à chaque fois, on a la figurine juste là. Et le petit tiroir, hop, avec le jeu. Avec, il y a des feuilles de pack avec des codes, j'imagine. Bon, je dois vous montrer. Ensuite, il y a la bande, le soundtrack, la bande son du jeu vidéo. Où il y a 15 titres à l'intérieur. Ça, c'est vraiment cool. Ensuite, nous avons la carte du jeu. Donc, la carte des lieux en fait du jeu, qui est apparemment faite main. Dans le tiroir toujours, il y a un artbook du jeu avec plein d'images à l'intérieur du jeu, et ça j'adore parce que c'est vraiment un très joli, un très bel objet de collection, et je trouve que c'est cool qu'ils aient mis ça à l'intérieur, et en plus c'est superbement bien dessiné. Et maintenant, je vais vous montrer la figurine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment super bien fait. Vraiment. Je suis trop fan. Donc c'est Bayek qui fait partie de l'Égypte antique, qui est sur la statue de la déesse Sekhmet. J'espère que je prononce bien. Et franchement, comme toutes les autres des anciens jeux, des autres jeux, elle est juste mais trop belle. Trop bien détaillée. Donc il existe d'autres figurines de ce jeu, 2, 3, 4, je sais plus, 3 il me semble, ou 2, je sais plus, mais en tout cas elle est vraiment, elle est trop bien faite. Eh bien je vous retrouve tout de suite pour jouer. Ubisoft présente. Thank you.
Donc bien sûr, hein, comme tout, dans toutes les vidéos gameplay, je ne vais pas vous tout montrer pour ne pas tout vous spoiler si vous avez envie de jouer au jeu. Il me fait beaucoup penser au samouraï dans Tomb Raider. Tu es rapide, Medjay, mais moi je suis puissant. C'est pas du tout les mêmes touches. Anubis t'attend. D'accord, RB plus RC. Les scarabées viennent sûrement de quelque part. Est-ce qu'on peut casser tout ça? Ouais, en gros, ça donne rien. Mais c'est pas du tout les mêmes touches que les jeux précédents. Et c'est vrai que c'est bien aussi parce qu'on démarre pas direct. Enfin, on n'est pas dans l'animus, on démarre directement. Donc. Oh, ce mur. J'ai beau jouer souvent, je confonds toujours RT et RB. Je viens t'aider. Voilà. Ce vent, il annonce une tempête. Je vois que tu t'es fait de nouveaux amis. Ils préparaient une embuscade. Heureusement que je suis venu à ta rencontre. Bienvenue chez toi, Bayek. Siwa t'accueille à bras ouverts. Mince, il va lui arriver des ennuis. Personne ne doit quitter cette maison. Ok, au moins ça c'est dit. Epzefa ! Nous venons seulement discuter. Je suis pas sûr. Vu ce qu'il a dit, il veut pas juste discuter. Sors de là, si tu veux tenter de disculper. Alors. Tendez une embuscade. Nek, ils vont trouver mes lettres et brûler ma maison. Oui, là je peux rien faire encore. Ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Allez. Attention. Un ennemi, c'est un... Ok, ça c'est comme d'habitude. Quoi? Qui est là? Baisse-toi. Il s'approche un peu trop. Ok. C'est comme... C'est comme tout le temps, en fait. Maintenant, autour des autres. Hop. Lui. Une petite flèche dans la tête. Mais comme par hasard, ça n'a pas fonctionné. Bah oui, sinon ce serait pas drôle. Hop, je prends un peu de flèche. Il va avoir droit à une surprise. Quoi? Allez hop! Il y en a un qui est là-bas. Des indices? Allez, une troisième avant que... Mais il est derrière quoi là? Prêt à tuer tout ce qui se montrera.
Il faut courir plus vite. Te voilà. Bon, je change parce que là... Non, allez, je te demande pas de te battre contre... Est-ce qu'il en reste un autre? Oui, il en reste un autre. Hop, on récupère des choses sur eux. Où est-ce qu'il est? Il est à l'intérieur. Donc, trouver et libérer Térémoun et les paysans. Eh bien, on y va. Allons-y. Je ne sais pas où est-ce que je vais. Alors, la cible est là-bas. Donc, je vais redemander à Senou de me montrer où est-ce que la cible est réellement dans ce déplacement. Donc, là. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse le tour par là. Ok. Donc, allons-y. À chaque fois, je dis ça, allons-y, comme si vous étiez avec moi et qu'on y allait tous ensemble. Hop, déjà toi. Au revoir. Vous croyez que je peux y accéder par là? Allons-y. Non mais je fais comme chez moi. Hein. Ouais non, ça l'autre bout, ça va être... Ça va pas être par là. Oui, j'explore les lieux. Comme si j'étais chez moi. Alors, un beau bug. Pardon, je souhaite passer. Il fait barrière. Non mais je... Il veut pas qu'on passe par là, il fait barrière. Alors, j'approche. Mais je sens qu'il va y avoir un méchant et que je... Toi, tu me dénonces pas, toi, le flamant rose. Hein. Va donc t'occuper de ton frère qui est en PLS dans les escaliers. Ton frère ou ta soeur ou... J'en sais rien, moi. Alors, donc c'est encore en dessous. Donc, est-ce qu'il y a un passage par là? Non du tout. Ah. Non du tout. Oh là 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 là. Cache-toi. Soit j'y vais en mode bourrin, mais sachant que c'est quand même un niveau 5, j'ai vraiment pas envie. Il m'arrive un truc. Donc, je descends. Ah, mais il est plus là. Ça sert à rien que je sois là. Nous sommes d'accord. Donc, lui, il est toujours mal en point. Du coup, récupérer. Hop. Non, on va pas par là. On descend comme ça, petit à petit. Oui, ça fait mal, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et je fais le tour, mais rien ne me dit que je vais pouvoir y accéder par l'autre côté. Ça, c'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Est-ce que je vais pouvoir escalader? C'est surtout ça. Escaladons. Oh! Ah bah, j'ai qu'à suivre ça. L'eau vient bien de quelque part. Alors. La cible. Donc, ils sont enfermés là. Donc. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Non, tu m'as pas vu.
je n'étais pas là. Du tout. Je n'étais pas là. Alerte, personne du tout. Allez. Allez. Allez, mange. Voilà. Comme ça, personne ne m'a vu. Ça y est, maintenant je suis niveau 5, je peux enfin faire cette quête là, le faux oracle, trouver et tuer Medunamun. Donc sur ce, eh bien je vais y aller. Alors c'est par où? C'est par là. Et puis après je pense que je vais arrêter de jouer, puisque ça fait quand même un petit moment que je joue maintenant. Donc du coup maintenant j'ai le même niveau que lui, donc c'est cool. Je devrais pas trop souffrir. Alors, je pense que c'est là-dedans. Oh, je suis large même. Je suis carrément large, mais je sais pas du tout si je vais pouvoir rentrer. Alors, il est juste là, là. Il faut que je monte. Bah, il veut pas, oui. Il faut que je monte quelque part parce que sinon... Non. Là, il faut qu'il y a des trous, là. Là, descends, descends. Il est juste là, donc il faut que je monte. Que je saute sur lui directement. Il est mort, Seigneur. Alors, trouvez-moi d'autres. Quoi? Yeah, yeah. Allez, hop. Oh, le lève a été... Non, 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 laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Tu vas voir. La confrontation. Non, il n'y a plus cette fameuse confrontation entre le méchant et l'assassin, non? Ça n'existe plus? Toi, ah, voilà. Tu es en... Ils ont gardé ça. Pour rendre la justice, je meurs mon œuvre inachevée. J'étais si près d'accomplir le règne éternel des forts, des sages et des vertueux. La crypte nous offrira le pouvoir des dieux. Alors la vie d'un enfant, la vie d'un enfant. Papa. Son fils. Prêt? Oui. Yeah. Kemu, par ici! J'ai trouvé la caverne des hyènes! La caverne, oui! Bah vas-y! Ok! Il y a au moins 16... Bah vas-y, il y a 16 hyènes, mais vas-y, vas-y! Eh ben, en fait, je préférais aller chasser avec mon papa. Oh, t'as toujours peur de tout! Eh! Hey. Hey, hey. Et si on allait chasser pour de vrai, hein? D'accord. Allez, viens. Je comprends pas, Bayek, c'est lui ou c'est... Qu'est-ce qu'on va chasser? L'oracle a besoin d'une peau de bouquetin mâle pour la cérémonie. Tu tiendras à côté du... Ah ouais, c'est Bayek avec les cheveux courts, en fait. D'accord. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter là. J'ai joué pendant pas mal de temps, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de voir une suite, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai aussi en ma possession le dernier Call of Duty qui est juste ici. Hop, le dernier Call of Duty. Donc si vous avez envie de voir, me voir jouer soit à la campagne, soit en ligne, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et je compte également faire une vidéo sur The Division avec mon frère. Donc si ça vous
vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup que ce soit les graphismes, que ce soit les musiques. Bon, l'histoire, j'aime toujours, hein, c'est toujours le même principe, les assassins, donc moi j'aime beaucoup. Et voilà, après j'ai hâte de savoir ce qu'est un Medjay. Est-ce qu'un Medjay c'est un assassin, ou alors est-ce qu'il était Medjay puis il est devenu assassin, et puis, enfin je sais pas en fait, et j'ai hâte qu'il ait sa lame secrète. Voilà, donc sur ce, eh bien je vais arrêter de parler, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!